VMAS, Amber Heard moquée par Johnny Depp, la sœur de l'actrice et furieuse Whitney, la sœur des Amber Heard, n'a pas du tout apprécié l'apparition surprise de Johnny Depp lors des MTV VMAS et l'a bien fait savoir. Ce week-end, Johnny Depp a surpris tout le monde en faisant une apparition surprise lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards. Le célèbre acteur était grimé en Moonperson, l'astronaute métallique présent sur les statuettes distribuées aux grands gagnants. En réalité, ce dernier avait enregistré une vidéo diffusée au niveau du casque de l'astronaute car il n'était pas présent physiquement. Les gars, je veux simplement que vous sachiez que je suis disponible pour les anniversaires, les bar mitzvahs, les mariages, les veillées, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et vous savez quoi? J'avais vraiment besoin de reprendre le travail, a-t-il déclaré avec humour du haut de la salle. Évidemment, il s'agit ici d'une blague visant directement son ex-femme, Amber Heard. Car en effet, Johnny Depp a perdu énormément d'argent et de contrats professionnels ces dernières années à cause des accusations portées à son encontre. En tout cas, cette petite blague de l'acteur a beaucoup plu aux internautes. Génial, c'est bon de te revoir Johnny, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps lol, tout ce que fait Johnny Depp est légendaire. Le roi est de retour, trop fier de toi Johnny, les meilleures choses arrivent lors des MTV VMAS, pouvait-on notamment lire. La sœur d'Amber Heard furieuse contre Johnny Depp et MTV, vous l'aurez compris, Johnny Depp est toujours aussi soutenu par ses nombreux fans. Mais comme on peut s'en douter, cette plaisanterie lors des VMAS n'a pas été bien prise par le clan Heard. Whitney, la sœur d'Amber, fait partie de ceux qui n'ont pas apprécié l'apparition de Johnny Depp lors de la célèbre cérémonie, @MTV, vous êtes dégoûtant et clairement désespéré. J'espère vraiment qu'aucune des personnes qui a orchestré cela n'a de fille, a-t-elle ainsi déclaré furieuse sur les réseaux sociaux. La pilule ne passe définitivement pas.